Prince Harry et Meghan Markle dévoilent une nouvelle photo du petit Archie, découvrez ce qu'ils gardent en secret pour le moment. Pour la fête des pères. Le duc et la duchesse de Sussex ont décidé de partager une photo inédite de leur petit garçon, Archie. Mais il semblerait qu'il ait gardé quelque chose secret, pour le moment. Alors que le palais de Buckingham serait inquiet quant à la cote de popularité de Meghan et Harry, qui serait trop populaire face à Kate et William. On a pu apercevoir ce dimanche 17 mai, une nouvelle photo d'Archie Harrison Mountbatten Windsor dans les bras de son père le prince Harry, plus heureux que jamais. Mais il semblerait que les parents du petit garçon aient voulu cacher quelque chose au public. En effet, comme le révèle l'Express, le premier enfant du duc et de la duchesse de Sussex a été aperçu pour la première fois. Sans bonnet, alors que lors de la présentation officielle, le bébé portait un chapeau blanc. Mais que cache le couple royal préféré des Anglais? Ils auraient souhaité cacher la couleur des cheveux d'Archie à l'aide d'un filtre antique, appliqué à la photo. En effet, Meghan Markle et le prince Harry semblent être fans de filtres si l'on en croit leur feed Instagram. Il est donc impossible de connaître exactement la couleur des cheveux de l'enfant du couple Sussex. Bien que certains estiment apercevoir des cheveux de la même couleur que ceux du prince Harry. Et ils n'ont pas dérogé à la règle pour cette dernière photo. Côté Actu People, on en sait plus sur la cérémonie de mariage d'Elisa Taylor et Bob Morley, acteurs de la série The 100. Saucut à l'occasion de la fête des pères dimanche, Meghan Markle et le prince Harry ont publié sur leur compte Instagram la première photo montrant, enfin, le visage de leur fils, né le 6 mai dernier. À l'occasion de la fête des pères, Meghan Markle et le prince Harry ont offert un joli cadeau à leurs fans en publiant une charmante photo de leur petit Archie. On n'avait pas encore vu son visage. Dans le cliché visible sur le compte Instagram officiel du couple, on aperçoit le petit garçon né le 6 mai dernier dans les bras de son papa, les yeux grands ouverts, tenant fermement son doigt. Son visage est à moitié dissimulé derrière la main de Harry, mais on voit clairement le haut de son visage. Joyeuse fête des pères. Et souhaitons une très spéciale première fête des pères au duc de Sussex, peut-on lire en légende du cliché très attendu. On se souvient que pour la fête des mères, le 12 mai dernier, le couple avait publié une photo des pieds du nourrisson, qui posait alors dans les bras de sa maman. Soucieux de préserver leur fils, les jeunes parents limitent les apparitions du bébé. Il l'avait publiquement présenté à une poignée de journalistes au château de Windsor, deux jours après sa naissance. Emmitouflé dans les bras de son père, on voyait à peine son visage. C'est magique. J'ai les deux meilleurs garçons, alors je suis très heureuse, déclarait alors Meghan, ravissante malgré ses traits tirés. L'ancienne comédienne avait choisi de porter une robe blanche qui laissait apparaître ses formes, tout le contraire de Kate Middleton. Très critiquée pour sa silhouette ultra mince après ses accouchements. D'après les informations du Sunday Times, le petit Archie devrait être baptisé début juillet à la chapelle Saint-Georges du château de Windsor, là où ses parents se sont mariés l'année dernière.